Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner la Manjaro Linux. C'est une vidéo un peu spéciale, ce n'est pas pour vous la présenter, mais c'est pour parler d'un autre point. Aujourd'hui, quand je suis allé sur le site officiel de la Manjaro, manjaro.github.io, j'ai pu lire ceci. Le passage de la version dépositable s'est passé en 15.09, en clair la nouvelle version. Donc j'ai voulu voir si on pouvait migrer de manière graphique d'une version 0.8.13.1 qui doit dater, en gros de la mi-août, parce que c'est apparemment la dernière fois que la dernière date qui est sortie pour une Manjaro, la 0.8.13.1, et qu'on peut récupérer ici même. Donc on va vérifier ça tout de suite. La Manjaro 0.8.13.1, elle date de... Voilà, on passe par là. Fichier. Publication. Donc la 0.8.13.1 date de... En gros, la mi-juillet, je dirais. XFCE. Oui, ça date de la mi-juillet. Autant pour moi. Donc en gros, ça fait une ISO qui a un mois et demi. Donc je vais voir. Après l'avoir récupéré, si je peux passer, c'est possible, avec une bonne connexion, si c'est réalisable bien sûr, de la 0.8.13.1 à la première candidate à la publication, la Manjaro 15.09, qui a pour nom de code Bellatrix. Est-ce que c'est Bellatrix Lestrange? Je ne le sais pas, mais on va quand même faire l'essai. Donc, je suis parti d'une Manjaro fraîchement installée, et on va voir le temps que ça va mettre, déjà si c'est possible. Pour ma connexion, j'ai bien sûr, tout est été comme d'habitude, ces articles, cette vidéo est liée à un article dans le descriptif. Et je vais voir si ma connexion VDSL qui est à 30 et quelques mégabits seconde est un peu pratique. Bon, bien sûr, ce ne sera pas aussi rapide qu'une vraie machine virtuelle. Il y a toujours aussi le facteur de la connexion qui rentre en compte, mais on va voir déjà combien de temps ça met. Et combien d'étapes sont nécessaires. Donc là, comme vous pouvez constater, c'est une Manjaro 0.8.13.1, tout ce qui est du classique, nom de code Acela, si mes souvenirs sont bons. Ça, on verra plus tard. Voilà, donc normalement, le panneau doit se charger. Le panneau d'accueil, voilà, le panneau d'accueil se charge. C'est la 0.8.13.1 pour être plus précis. Donc, nous, on va le clore. On va voir le nombre d'étapes qui sont nécessaires et combien de temps ça va mettre. Donc, bien sûr, ce n'est qu'une approximation. Tout dépend, bien sûr, de la connexion, en espérant qu'elle soit stable, et la vitesse de l'installation de mise à jour. Donc là, on va ici. Donc, on est parti. On installe la première mise à jour. Et après, on verra combien de mises à jour sont nécessaires pour être installées, pour passer de l'une à l'autre. Je vous rappelle que l'ISO utilisée date de mi-août, de mi-juillet. Donc en gros, elle a 6 à 7 semaines. Donc apparemment, il y a 213 mises à jour disponibles pour une taille totale de 563 mégas. Donc là, il faut espérer qu'en face, il y a un bon serveur. Et ça fait en gros 570 mégas. Donc alors, tant qu'il met pour tout récupérer. Là, vous voyez quand même que j'ai une bonne connexion, ça aide un peu. En espérant que la connexion ne fasse pas caca nerveux au plus milieu, ça m'énerve un peu. Donc là, on va masquer les détails, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc en gros, il y a 500 mégas récupérés, un peu plus de 570 mégas, ce qui pour un mois et demi n'est pas excessif. À la vitesse où ça en est, on va dire qu'en 4 minutes, il a fini de télécharger l'ensemble. Oui, j'avais envie de faire cette vidéo pour justement voir si c'est possible de pouvoir passer d'une mise à jour, faire une grosse mise à jour, parce que c'est une mise à jour qui n'aurait pas été faite pendant 6 semaines, pour voir si c'est possible de la faire. Si c'est possible, ce sera quand même un sacré bon point pour la Manjaro Linux.
j'ai rarement vu des téléchargements se faire aussi vite. On dirait qu'il y a un coureur cycliste du Tour de France dopé comme une usine chimique qui est derrière à pédaler. À moins que ce soit un moteur électrique. Enfin bref, je ne sais pas. Ne parlons pas des sports truqués. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Un des gros morceaux, c'est LibreOffice, parce que ça il doit peser facilement dans les 250 mégas récupérés, facile, 200 à 250 mégas. Donc en gros, ça fait 3 minutes que la mise à jour est en cours. Cool, ça fonctionne, pour moi on peut croiser les orteils. Dire aussi que ma connexion est pas mal. Je ne sais pas pourquoi Mono a été récupéré. Et vous allez voir quand même aussi une sacrée flopée de paquets Deep 32 qui vont pas tarder à arriver, à moins qu'ils soient déjà passés. Je n'ai pas vraiment fait attention. C'est que ce sont des paquets qui sont si petits que ça. Boum, 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 ça va très vite. Et voilà les paquets Deep 32 qui arrivent. Merci Steam. Je me demande pourquoi ils ne proposent pas. Bon, mais je me suis dit pourquoi ils proposent Steam. C'est toujours le moyen d'intérêt chaland, mais c'est chiant de se retrouver avec une flopée de paquets Deep 32 qui ne servent que pour Steam. Donc, les 227 paquets sont en train d'être vérifiés. 4 minutes. Waouh! Merci ma connexion! Oula, contrôle antidopage, s'il vous plaît. Ah, il y a un gros paquet qui doit être à charger là. C'est lequel? C'est pas précisé. Par contre, regardez la flopée de paquets Deep 32. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 23, 23. On va dire à peu près 24 à 25 paquets Deep 32 sur les 227, en gros 10%. Joie! Donc il va y avoir sûrement un paquet comme LibreOffice ou autre qui doit être en train d'être chargé. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et voilà, c'est reparti. Le poton est reparti. Il a bien pris sa dose de dopant. Ah, c'est ça que j'aime voir. Donc, nous sommes à peu près déjà à un peu plus de 5 minutes, à peu près 5 minutes 50. Donc là, on ferme les détails. Donc, on va dire à peu près encore 3 minutes. Et là, l'ensemble des mises à jour sont installées. Les détails. Une fois l'installation terminée, là c'est la partie la plus chiante parce qu'il reconfigure tous les miroirs. Une fois l'installation terminée, voilà, la mise à jour terminée, je redémarrerai et puis on verra bien, je finirai avec les paquets linguistiques. Bon.
tout cas, c'est sympa de voir qu'on peut. Déjà, si ça va jusqu'au bout, ça prouve que la Manjaro atteint une sacrée maturité. 7 minutes. Et encore, c'est une machine virtuelle. Donc, si c'est une machine réelle, peut-être que ce serait encore plus rapide. Donc, le noyau est mis à jour. Noyau LTS. Sept minutes trente. Ça fait quand même des grosses opérations, donc là, le grub est mis à jour. Voilà, voilà, voilà. Refermer. Voilà, il ne reste plus qu'environ 150 paquets. On approche des 8 minutes 30. On va dire que l'ensemble aura duré une dizaine de minutes. Maintenant la flopée de paquets LIP32. Coucher les détails. Ah, 9 minutes. Et LibreOffice s'installe. Ah, par contre, j'ai envie de voir la taille de l'engin. C'est pas précisé. Dommage. Là, je pense que d'ici une vingtaine de secondes, ce sera terminé. Pourquoi mon nom? Je n'en sais rien du tout. Peut-être un outil comme Banshee ou Linode, je ne sais pas. On en est presque à 10 minutes. Donc quand même 10 minutes de mise à jour pour un système qui n'a pas déjà mis à jour depuis pendant près de 6 semaines pour une distribution en rolling release rationalisée. J'avoue que ça fait plaisir. Voilà, là on a mis ça et on en est à un peu plus de 10 minutes. Voilà, c'est bon, terminé. En gros, 10 minutes 15 pour mettre à jour l'ensemble. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à redémarrer et vérifier que nous sommes bien en version 15.09 Bellatrix. Et j'en profiterai aussi pour passer au noyau 4.1 LTS, même s'il n'est pas marqué comme LTS dans l'interface de Manjaro Setting Manager. Je vais me passer en plein écran, ça va changer un peu. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, on attend que le panneau se charge. Oh, 15.09 Bellatrix, whiz! Donc, il ne reste plus qu'à mettre à jour les paquets linguistiques. Normalement, on devrait pas tarder à arriver. Voilà. Les quelques paquets linguistiques. Surtout les traductions pour LibreOffice, voilà. Thunderbird, GIMP,
et autres Firefox. Donc là, ça va demander peut-être 3 minutes, encore en comptant très large. Voilà, on ferme ça. Donc, dans les noyaux, bon, il n'est pas marqué comme LTS, mais on va l'installer. Voilà. Après, on va redémarrer l'ensemble une nouvelle fois. Et on verra ce que ça donne au final. Mais en tout cas, j'avoue que je suis très agréablement surpris. Bon, je sais, c'est dans une machine virtuelle, mais c'est quand même une sacrée preuve de faisabilité. Bravo à l'équipe de Manjaro. Chapeau bas. Certaines distributions beaucoup plus célèbres n'ont pas autant de facilité pour passer d'une version à l'autre. Par contre, ce qui serait bien, et je vais vous montrer, c'est qu'il y ait un peu de purge au niveau des noyaux supportés, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger, quoi. Ça serait pas plus mal de virer certains noyaux, ça aiderait un peu. Parce que il y a peut-être celui-là qui peut gicler, celui-là qui peut gicler, enfin il y a déjà le 3.13 qui peut au revoir à tous ceux qui sont marqués SES, c'est-à-dire support court terme, c'est-à-dire au moins le 3.16, le 3.13 et le 3.19. Au moins ces trois-là pourraient gicler, ça serait pas plus mal pour la liste. Donc là, on va redémarrer une nouvelle fois. Dernier redémarrage, et on va jeter un coup d'œil à ce Manjaro 15.09. Rapide, parce que je ne peux pas tout le montrer, parce que ce serait impossible et je n'ai pas envie de vous ennuyer. C'est chargé. Là, bien sûr, on a toujours les trucs, toujours les répertoires en français. Donc là, on va voir. Côté logiciel, c'est PAMAC 2.4 de mémoire. Voilà, 2.4.1. AUR n'est plus activé par défaut aussi. Si mes souvenirs sont bons. Il faut activer AUR. Voilà, AUR n'est activé que si on le demande. Ce qui n'est pas plus mal. Ça évite comme ça de se retrouver avec des paquets un peu. Bref. Pour lib32, voici la liste des paquets installés. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le constater. Tout ça, c'est par rapport à Steam. Bon, c'est un peu ennuyeux, mais il y a pire. Côté bureautique, c'est notre ami LibreOffice, en version 4.5. 4.5, pardon. 4.4a. Il n'est pas en français. Tiens donc. Outils options. Je croyais qu'il était passé en français. Ah, il faut que je remette le français. Il n'est pas passé. À moins que LibreOffice n'était pas dans les paquets en français. Paramètres. Manjaro
enregistrer nos paramètres. Tiens donc, il ne va pas installer les paquets LibreOffice en français. Bizarre. C'est un petit bug. Paquet linguistique installé. On n'en a pas mis LibreOffice. C'est le seul logiciel qui manque en français, donc c'est un petit bug qui se corrige très facilement. C'est quand même bizarre qu'ils aient oublié de mettre traduction. C'est ennuyeux. Pour le reste, bien sûr, c'est en français. Sûrement un bug de la version RC. C'est pas mortel, ça se corrige en quelques secondes, mais c'est ennuyeux. On va l'accrocher déjà lancé une première fois. Oups, voilà. Voilà, Firefox en français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel? Blablabla, vous voyez, comme ça, le logiciel classique, quoi. Hein. C'est du classique. Ah oui. Cette fois-ci, LibreOffice va être en français. C'est quand même mieux. Voilà. La version 4.5 ou 4.4, je sais plus quoi. 4.4.5, voilà. Parfois, je me mélange les numéros de version. Dans le multimédia, bon, il y a Goyadec. Pour la musique. C'est bien quelque chose de Goyadec. Je me demande d'ailleurs si celui-ci est toujours développé. J'ai un petit doute. Ensuite, dans le multimédia, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bien sûr, il y a VLC, il y a XFBurn, des trucs classiques, n'est-ce pas? Bon, donc, il n'y a pas grand-chose en soi à rajouter. Et on peut voir dans le terminal que c'est bien au 86 et normalement bon d'accord autant pour moi voilà 5.0.9.1.1 alias Matrix. Voilà, donc mis à part le petit bug de LibreOffice qui est un peu ennuyeux, c'est agréable de pouvoir passer d'une version à l'autre entièrement en mode graphique et s'il manque des paquets d'installer en mode graphique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao à tous !